Ils vivaient dans le désert, sur le rivage d'un océan de sable. Ils étaient venus dans ce désert brûlant parce que c'était une existence moins cruelle que celle qu'ils menaient dans le monde, en but aux persécutions dont les faisaient souffrir leurs prochains. Et dans le désert stérile, ils avaient planté un jardin qui grandit et fleurit pendant des centaines d'années. Ils avaient conservé la connaissance la plus ancienne et le trésor de sainteté le plus grand que le monde ait jamais connu. Ils étaient la fraternité des Esséniens. Ils n'étaient pas sûrs de leurs origines, et le souvenir de leurs commencements se perdait aussi dans la nuit des temps. Moïse avait été l'un d'entre eux, et les prophètes anciens. Les enfants de la lumière de l'ancien Sumer étaient de leur sang, et les guérisseurs et les maîtres des temps anciens d'avant le cataclysme du Pléistocène. Qui fut appelée la grande inondation. La fraternité a toujours été avec nous. Quand ils eurent planté leur jardin dans le désert, ils l'arrosèrent avec un soin amoureux. Ils se levaient à l'aube pour communier avec les anges de la mer terrestre et contempler ses dons innombrables. Ils priaient l'ange du soleil à son lever et à s'en coucher. Et ils recueillaient la rosée du matin sur les plantes du désert afin de porter l'ange de l'eau jusqu'aux lieux les plus arides de la terre. Ils lisaient dans le livre de la mer terrestre, et ils mettaient leur entendement en œuvre pour parvenir à une totale harmonie avec leur environnement. Ils communiaient avec les anges du Père céleste au crépuscule, et ils apprenaient de la loi comment déposer un baiser de paix sur le front troublé de ceux qui les recherchaient pour leur talent de guérisseur ou pour leur demander de leur venir en aide. Ils enseignaient la loi sacrée ils la transcrivaient avec une patience infinie sur des parchemins qui s'ajoutaient les uns aux autres, afin qu'elle soit perpétuée. Ils écrivaient des chants pour la prière, pour la joie, pour le chagrin. Ils partageaient les joies et les peines des hommes, même si celles ci dépassaient les capacités humaines. Ils envoyèrent des guérisseurs dans le monde, et l'un d'eux fut Jésus les il marcha au milieu des hommes malades et des hommes troublés, et il leur apporta la connaissance dont ils avaient besoin pour guérir. Certains le suivirent, et mirent par écrit ce qui s'était dit entre lui et les hommes qui souffraient, entre lui et les hommes blessés. Les anciens mettaient ces mots en vers, afin de rendre inoubliable l'histoire du guérisseur des hommes, du bon pasteur. Et quand vint enfin le moment pour les frères d'abandonner le désert et de partir ailleurs, les manuscrits restèrent derrière eux comme des sentinelles enterrées, comme des gardiens oubliés de la vérité éternelle et vivante. Un âge noir survint, le temps des sauvages, des barbares, le temps des livres brûlés sur des bûchers, un temps de superstition et d'adoration d'idoles vaines. Le gentil Jésus, s'étaient perdu pour toujours dans la figure d'un dieu crucifié les frères esséniens dissimulèrent leurs enseignements dans les esprits d'un noyau d'élu qui pourrait les préserver à l'intention de leurs descendants les manuscrits des guérisseurs furent oubliés dans les ombres mouvantes du désert